Bonjour à tous, hier soir sur Snapchat et sur Instagram, je vous ai demandé de me dire quels étaient les pires cadeaux de Noël que vous aviez reçus par le passé. Alors vous allez voir que dans certaines familles, les gens ont vraiment un sens de l'humour incroyable. Alors bien évidemment, je tairai le nom des personnes qui m'ont envoyé ça parce que je voudrais pas briser des familles. C'est parti Un apéricube offert par un cousin. Ça c'est marrant, mais ça fait un peu petit budget. Je voulais une piscine et j'ai eu une bassine à 8 ans. Bah de quoi est-ce que tu te plains C'est une petite piscine, c'est tout Un monopoly, alors que je détestais ça, et une pomme à un autre Noël. Bah le monopoly, tu n'avais plus qu'à le revendre sur eBay, et la pomme, tu la donnes à manger à ton chien. Si t'es un chien, évidemment, parce que sinon c'est.. Euh... C est, c est, sinon je peux pas le donner à ton chien. Un accordeur de guitare alors que j'avais pas de guitare. Et bah t'avais qu'à t'acheter une guitare <laughs> Les gens sont pas fut de hein. 5 pots de confiture de coin. Euh oh, Alors ça c'est vraiment dégueulasse. Le cadeau le plus pourri que j'ai eu pour Noël c'est un livre de conjugaison de la part de mes grands-parents. Voilà voilà. Je constate quand même que dans ce message il aucune faute de conjugaison. Donc on peut supposer que ça a servi. Une année mon frère a eu une brosse à vélo. Il avait genre 12 ans et il a pas compris son malheur. T'es sûr que c'était pas une grosse brosse à dents LOL Un cadre photo en forme de voiture et dans le pare-brise tu pouvais mettre une photo. Oui on est d'accord ça fait un petit peu cadeau de dernière minute acheté chez Nature Découverte. Et ça reste un cadeau. Pensez à l'intention alors moi le pire cadeau que j'ai reçu c'est une boîte de la part de mon oncle et ma tante, mais vraiment juste une boîte moche sans rien dedans et ma cousine a reçu un stylo que ma grand-mère avait eu en cadeau chez sa coiffeuse. Bah encore une fois je vous le dis, c'est l'intention qui compte. Alors comme cadeau pourri, j'ai une crèche en carton à découper et à monter soi-même par mes grands-parents. Ouais, mais en même temps c'est bien, tu vois, c'est un cadeau manuel, ça développe ton esprit plutôt que de traîner sur Facebook. Moi, je trouve ça très bien. Après c'est clair que si t'es pas très crèche, tu vois pas le truc. Bon là c'était ce que vous m'avez envoyé sur Facebook, maintenant on va passer au message Snapchat. 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 Putain, j'arrive pas à le dire. Alors, moi c'était une boîte avec de la terre dedans. <laughs> Mon pire cadeau c'était une balance, apparemment on essayait de me faire passer un message. Bah oui, le message c'est évident, c'était euh, qu'il fallait que tu fasses de la pâtisserie. Bah attends, c'est évident, c'est euh, voilà. Salut, le pire cadeau que j'ai reçu c'est un pull que m'a tricoté ma grand-mère en oubliant de laisser un trou pour passer la tête. Ah bah oui, c'est un pull, il y a un trou plus grand pour les bras. En fait là, il faut avoir vu le film pour comprendre donc euh, à vous de dire dans les commentaires de quel film c'était extrait. Un micro-ondes haha <laughs> ou un mixeur. Alors honnêtement, j'ai jamais vu de micro-ondes qui fasse mixeur en même temps, peut-être que t'habites dans le futur. Mon pire cadeau c'était une poubelle par mes parents en plus qu'ils en avaient marre que tu colles tes chewing gums sous ta table Le pire cadeau, c'était un gros carton avec juste du papier journal dans le carton. J'étais dégoûté. Eh ben, si ça se trouve, t'as jeté le papier journal alors qu'il y avait des lingots d'or dedans. Ha <laughs> ha, tu la mauvaise, hein Un sac de couchage. J'avoue, on m'a jamais offert ça pour Noël. Des culottes pour gamine par ma grand-mère alors que j'ai 16 ans. et en même temps, tu lui rends jamais visite, alors elle sait plus qu'elle acheta. Un pull Ça c'est un cadeau pourri. Putain, vous êtes difficiles, les gens. Hein. Un dictionnaire d'allemand. Ah ça, c'est clairement un message. Elle avait clairement oublié que c'était Noël et elle a chopé dans sa bibliothèque. Qu'est-ce que tu veux Un dictionnaire encore. vous êtes très littéraire, hein. On en est déjà à deux dictionnaires en moins d'une minute. C'est Incroyable T'as comment j'ai bégayé là, c'est incroyable Putain ça, ça fait trois fois que je dis incroyable, faut que j'arrête Un clou de flippant C'est flippant ça Mon cadeau de Noël le plus pourri, c'était une paire de chaussettes moches en plus de ça, qui grattait. T'as, j'avoue, à la limite, des chaussettes, si personne les voit, qu'elles soient moches, tu t'en fous, mais qu'elles grattent, c'est pas possible. Mon pire cadeau, c'est d'avoir reçu pour Noël à l'âge de 16 ans la guerre des boutons, livre étant pour les enfants de 8 ans. Sinon, ça n'a rien à voir, mais tu es originaire d'Angers, il me semble. Effectivement, ça n'a rien à voir. Et donc, non, je ne suis pas originaire d'Angers. Je suis parisien, moi monsieur J'avais reçu un crayon papier avec un bout pélican et il se taillait pas. Mais bon, c'était à la réunion. Ah bah si c'était à la réunion. Une bouteille de parfum vide. C'est parce que tu sentais déjà très bon. Pour mon anive, j'ai eu un coquetier. À mon avis, elle s'est trompée. Elle a changé le cadeau de ton père et le tien. C'est pour ça qu'il a passé la semaine à jouer à la Xbox et que tu comprenais pas. Un jour, on m'a offert un nain de jardin. Peut-être que c'était une statue à ton effigie. Oh! Une autre toilette, Anna Montana. C'est qui Un poster smiley fait main offert par mes grands-parents qui consiste en un découpage de smiley de tout genre, collé sur une grande feuille blanche. Et complété par des petits cœurs peints au vernis à ongles. Hashtag Kitsitude. Des sous-vêtements trois fois trop grands. Et une tenue de diable moche. Et depuis quand on offre des tenues de diable à Noël bon, déjà de base on n'en offre pas. Et à Noël, c'est encore plus chelou. Un livre sur Sainte Madeleine comme seul cadeau de mes parents. À la limite une vie de saint pourquoi pas, tu vois, pour t'inspirer et progresser. Mais j'avoue que trois ans de suite, il aurait peut-être fallu leur expliquer que tu la connaissais. Un lecteur CD qui marche pas. Un bouquin sur les tradition alsacienne. Bon là, je vais rien dire parce que je vais me faire tuer par les alsaciens. J'ai eu le droit à un simple éventail. Alors à mon avis, ça c'est parce qu'ils ont voulu te foutre un vent. Éventail, vent, ça percute, lol. OK, j'arrête. Un puzzle de Cendrillon pour mes 18 ans. Euh, je m'en fous si on a certains qui me disent on dit pas un puzzle, on dit un puzzle. Moi je dis puzzle et voilà. Incroyable ça. Le parfum qui pue qui restera toujours au fond de l'armoire de la salle de bain. Alors ça n'achetez jamais de parfum à quelqu'un. Le parfum c'est un truc personnel, ça s'offre pas, je vous le dis comme ça c'est fait. Une boîte avec du cassoulet, des haricots et quelques bonbons au chocolat. Attends, faut pas en vouloir à ta maman, elle était fatiguée, elle s'est trompée, elle a pris le tupperware de la cuisine. Elle on va le cadeau, voilà Des clés de voiture sans la voiture une métaphore Une boîte de coton-tige. Oh, ça c'est dégueulasse Un savon et un tapis. Des annales de brevet maths en troisième. Des cailloux. <laughs> ah ça Alors ça c'est vraiment abusé. À moins que ce soit des cailloux qui viennent de chez Mauboussin, c'est abusé. Une trousse rose bonbon avec le cheval de Barbie dessus. Or, je n'aime pas le rose ni Barbie et j'avais 15 ans. Là je sais pas quoi répondre, oui, c'est problématique. Et on passe enfin au message Instagram. Des pantoufles, un slip, une poupée en porcelaine alors que j'avais 16 ans. Des chaussettes par mon père. C'est quoi ton snap Ah non, pardon, ça c'est pas un cadeau, c'est une question. Euh... Donc mon snap c'est Loulou Un snap, hein, je vous le dis au cas où. Il y en a qui le savent pas encore. De la pâte à modeler à 14 ans. Un porte-clés en peluche, chien style Jack Russell, qui est passé 10 fois sous un 36 tonnes. Ça, c'est pareil, ça se revend. Un parapluie, alors que j'étais persuadé que ça allait être la montre que je voulais. Oh la désillusion ça ah, ça ça, fait, ah, ça... Comme dirait Ribéry, ça doit faire très dur. Un vélo mobile dans une enveloppe. Elle avait pas compris que c'était pour lui dire qu'on allait lui offrir un vrai vélo. Oh, c'est mignon. Une cabane pour les oiseaux pour Noël à 14 ans. Et le livre qui va avec. Ah, c'est sûr que si t'habites Paris au 6 étage, ça n'a pas grande utilité. L'année dernière, ma grand-mère m'a offert une assiette et verte en plus. Bah, si elle toffe ça une fois par an euh, dans 20 ans, t'auras tout ce qu'il faut, hein, t'inquiète pas. Un caillou Ah bah il faut que je te présente à l'autre là qui a eu plein de cailloux, vous allez bien vous entendre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et bah globalement, il y en a qui ont eu un Noël euh, bien drôle euh, les années passées. N'hésitez pas à m'envoyer après ce Noël-là, les cadeaux bien pourris que vous aurez eu même si je ferai pas une deuxième vidéo dessus, mais ça m'intéresserait bien de savoir si euh, les gens sont toujours aussi tarés. En attendant, je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye